Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Écoute bien, là. Mais voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. Zéro, zéro, zéro scène. On a un petit couchet. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Pour François Legault, c'est une grande journée pour l'économie du Québec. L'entreprise suédoise Northvolt qui va annoncer un investissement de 7 milliards pour construire une usine de cellules de batterie. Ce sera en Montérégie. Le fédéral et le provincial vont y contribuer avec des sommes assez considérables. Salut Michel. Bonjour Alexandre. Est-ce que tu partages l'enthousiasme de notre premier ministre? En tout cas, écoute bien, ce que je partage, c'est que ça va soulever énormément de problèmes de tout bas, de tous côtés. Évidemment, des côtés positifs, des côtés négatifs. Or, ce que je sais, c'est que quand on parle de la Montérégie, c'est pas loin de chez nous, là, c'est à côté. Là, on parle de McMasterville. Or, ben oui. Ce serait sur les anciens terrains de la CIL. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé à dans le coin où j'habite à l'heure actuelle, à un moment donné, avec la CIL, qui est disparue, heureusement, c'était d'une pollution épouvantable. Mmh. Or, des matins, tu te levais, le ciel était jaune, là. Or, et non pas de soleil. Or, et bon, ah oui, là, j'ai évidemment cette usine-là dont on parle, ben, c'est une méga usine. Écoute, on parle de 4000 emplois. Sais-tu ce que ça veut dire dans une région? 4000 emplois, c'est quasiment 8000 personnes qui vont venir s'établir dans le coin. Donc, en termes de logement, on s'entend là, qu'à l'heure actuelle, il y a zéro logement disponible ici. Là. Donc, ça va entraîner, il n'y a pas seulement l'usine, mais ça va entraîner la construction, évidemment, d'un grand nombre d'unités de logement. Or, ça va entraîner des problèmes de circulation terribles. Déjà, quand on emprunte la 116 là, qui longe, qui part de Saint-Hilaire, évidemment, de Saint-Hyacinthe, aller jusqu'à Montréal, alors, et tu passes à Saint-Hilaire, à Belleuil, à McMasterville, à Saint-Basile-le-Grand, à Saint-Bruno. Mmh. Déjà, le matin, c'est bloqué. Fait qu'imagine-toi si tu rajoutes. Donc, ça, ce sont les côtés négatifs. Et c'est ce qui explique pourquoi le projet a soulevé déjà de la contestation. Il y a une pétition qui circule. Or, puis là, tu as des groupes qui s'organisent pour contester. Bon. Maintenant, regardons ça du point de vue économique. Évidemment, un investissement majeur, si tel est le cas, de 7 milliards de dollars, on s'entend que c'est immense. Et puis, la compagnie Northvolt, d'après ce qu'on comprend, avait le choix entre s'établir en Californie ou vous venir s'établir ici au Québec, à McMasterville ou dans la Montérégie. Donc, on aurait gagné le projet. Or, évidemment… Hein? Mais on a gagné, Michel, mais à quel prix? Parce que Québec, bon, la presse avance certains chiffres pour le fédéral, là, 1,34 milliard, 1,37 milliard pour le Québec. Alors, on a gagné, mais on a ouvert notre portefeuille. Là. Ah, ben garde, c'est le même scénario avec tous ces projets de grande batterie. Il y a une compétition mondiale. Or, et qui est parti du côté des États-Unis, puis aussi avec l'Europe. Tous les pays veulent avoir ces fameuses usines de batteries. Alors, c'est le Klondike, si l'on veut, de la batterie pour véhicules électriques. Mm-hmm. Le prix à payer, évidemment, c'est qu'on contribue largement. On l'a vu avec l'usine de Volkswagen en Ontario et l'autre. Là. Or, où ça va prendre 20 ans pour pouvoir rentrer en termes de retombées économiques dans notre argent du côté des gouvernements en taxes et en impôts. Or, bon, la grande question, puis c'est ça la question que se sont posées François Legault et puis Fitzgibbon, qui est très fier de son coup, évidemment, bon, on regarde ça, on investit et puis on calcule les retombées. Et la raison fondamentale, si on ne le fait pas, c'est un autre qui va le faire. Donc, c'est ça le jeu de la compétition. Évidemment, là, tout est beau sur papier en termes de retombées économiques. Hein, on va nous dire ça, on va nous vanter ça tantôt. Là. Alors, ils vont s'arranger d'ailleurs pour que ce soit récupérable sur 20 ans. Ils vont peut-être nous dire que ça va être sur 10 ans. Mais écoute bien, si le directeur parlementaire du budget a calculé que ça prenait minimum 20 ans, on va se fier à lui. Malheureusement,
nous n'avons pas de directeur parlementaire du budget pour pouvoir effectuer ce genre de contre-analyse par rapport à ce que les gouvernements vont nous dire. Bon, mais l'enjeu, tu sais, en bout de ligne, puis ils sont évidemment, le gouvernement caquiste est tout fier, c'est 4 000 emplois, des retombées économiques qui vont nous dire qui sont immenses. Et fait que voilà, alors on va être tout fier, mais comme je te dis, la contrepartie de tout ça, c'est que c'est en termes, évidemment, d'environnement local ici, là, la route 116, la circulation, donc l'environnement, la circulation et le logement. Ils sont pas là, les logements. Alors, c'est, les gens, ils vont pas aller habiter, ils vont pas partir de Chibougamo, là. Alors, ils font pas la navette soir et matin. Ils vont venir s'établir dans le coin. Là. Ben donc, oui, c'est sûr que les infrastructures. Si tu fais le tour de notre gang de développeurs ici dans le coin là, de la Montérégie, ils sont-tu fiers, tu penses, toi? Non, hey, écoute, ils doivent se frotter les mains. Non. Les municipalités, ils vont calculer les revenus en taxes. Les taxes? Le problème, c'est que, par expérience, les villes grossissent, les municipalités grossissent, mais ça te coûte de plus en plus cher de taxes, puis tu as de plus en plus de problèmes à avoir des services. Bon, regarde. Bon, une bonne nouvelle qui entraîne des côtés négatifs, mais là, évidemment... En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous dire tantôt, là. Ouais, intéressant cette analyse-là, puis c'est vrai, effectivement, parce que c'est... T'sais, oui, il y a cette annonce-là, mais ça change tout l'écosystème aussi autour, et on aura assurément l'occasion dans un autre épisode de revenir sur cette annonce-là. Merci beaucoup, Michel. Oh, il n'y a pas de doute.